appareil clignote. Je suppose que Silence veut que je le regarde. Aloy. Vois ce message comme une balise qui te guidera hors du brouillard de l'ignorance. À l'aide d'explosifs, j'ai détaché l'orbe de traitement du Titan au-dessus. C'est une cage parfaite pour notre ami mutuel Hadès, afin de le rendre coopératif. Dis-lui ce dont on a parlé, au sujet du mystérieux signal qui t'a donné vie. Il faut peut-être te rappeler que tu as échoué. Alors, tu vois, Aloy, Gaïa peut être relancée. Quant à l'emplacement d'une copie, eh bien, tu vas devoir me suivre pour en savoir plus. Il est persuadé qu'il a tout compris. Pourriture. Mais je suppose qu'il n'y a qu'une manière de savoir où il a mis l'orbe. Voilà où j'en suis. Je suis les traces de Silence comme une idiote. Alors qu'il m'a utilisé en trafiquant sa lance pour voler Hadès. Une IA démente qui veut détruire la vie. Ça aurait été bien trop simple de me laisser la détruire. Et maintenant, je vais encore devoir encaisser ces commentaires moralisateurs. Le gel ne lui fera pas grand-chose. Créer ces machines, je pourrais apprendre à les pirater. Come on.
Silence a l'air certain d'avoir trouvé une copie de secours de Gaïa, mais... comment ? Chaque endroit que j'ai fouillé, chaque piste, c'était toujours un échec. Toutes les copies ont été effacées. Alors qu'est-ce qu'Hadès lui a dit ? On dirait que la piste continue dans la colline. Des ruines. D'accord. Voyons où ça nous mène. Simon a dû se servir de cette machine pour tracter son joujou. Ça doit être l'orbe dans lequel Silence a fourré Hadès. Et cette porte. On dirait un bâtiment de Pharo. Ou d'Aube Zéro. Je ferais mieux de jeter un œil à cette orbe. Allez, Hadès, t'es toujours là ? Définitivement, cette fois. Même comme ça, tu mets en danger Gaïa. Quand je l'aurai ressuscité. Donc, tu n'as pas encore récupéré la copie de Gaïa. Alors, Gaïa est morte. La Terre et toi êtes condamnés, malgré mes défaillances. J'ai gagné. Silence t'a demandé où trouver une copie de Gaïa. Erreur, données erronées, structure de mémoire désintégrée. Bien sûr, ça aurait été trop simple. Qu'est-ce que Silence t'a fait, Hadès ? C'est comme si... t'avais vidé. Silence m'a interrogé. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Erreur, données erronées, structure de mémoire désintégrée. Tu ne te souviens de rien ? Je me souviens de toi. Quoi, quand je t'ai battu à la flèche ? Bon, ça ne mènera nulle part. Quand le signal mystérieux t'a transformé, il a rendu les autres fonctions subordonnées de Gaïa conscientes. Tu as fui quand Gaïa s'est autodétruite, mais elles aussi. Où sont-elles allées ? Chaque fonction a migré vers des coordonnées basées sur... Erreur, données erronées, structure de mémoire désintégrée. Un tas d'IA démente, éparpillée on ne sait où pour faire on ne sait quoi. Héphaïstos fait des milliers de victimes chaque année avec les machines de combat qu'il fabrique. Et tu as failli détruire le monde. Cette autre fonction en liberté qui complote, ça sent pas bon. Tu n'es pas contente. Tant mieux. On t'a déjà dit que tu avais une personnalité géniale, Hadès. Sarcasme détecté. Oui, je m'en doutais. Ça suffit. Il est temps d'en finir.
Aloy y croit. Alors tu te trompes. Extinction inévitable. Qu'est-ce que t'en sais, Hadès ? T'as essayé deux fois de détruire la vie terrestre et t'as échoué. La seule extinction que tu as provoquée, c'est la tienne. Et il n'y a pas de lance trafiquée pour te sauver cette fois. C'est inexact. Trois fois, Hadès a détruit la vie. Tu te souviens de ça ? Oui, de mes contacts. Biosphère non viable, annihilée. En l'an 2154, 2161, 2168. Et alors ? C'était il y a des siècles. C'est pour ça que tu as été conçu. La biosphère actuelle est la version 5. Il n'y aura aucune version 6. Ce ne sera pas nécessaire. Je sauverai celle-ci. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobek, grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche. Aloy, je vois que tu t'es occupé d'Hadès. Oui. Tu crois qu'il va rester mort cette fois ? Mais oui. Tu peux me faire... Confiance ? Oui. Confiance. Tu vois, j'ai fait ce dont tu as été incapable. J'ai extrait le savoir inestimable d'Hadès. Fais-moi confiance, j'étais prêt à te laisser le détruire réellement cette fois. On en revient aux hologrammes, fini le face-à-face ? Tu as peur que je te poignarde, c'est ça ? Il y a une raison qui... Il y a le même logiciel espion, je vois. Donc, à chaque fois que j'ai appelé, tu aurais pu répondre. Mais tu préférais continuer de m'espionner pendant tout ce temps. Mon monde ne tourne plus autour de toi depuis des mois, Aloy. J'ai beaucoup de travail. Des heures de recherche. Aussi complexe et chronophage que primordial pour le destin de la planète. Ah oui, bien sûr. Tu essaies aussi de sauver le monde. C'est exact. La différence, c'est que contrairement à toi, moi, j'obtiens des résultats. Est-ce que tu as trouvé une copie de Gaïa ? Oh oui. Je crois que oui. Où ça ? Mais ici. Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir, sinon ? Derrière cette trappe à verrouillage génétique se trouvent les ruines où le protocole d'extinction d'Hadès a été finalisé. Le processus de test a fait des centaines d'essais, dont chacun utilisait une copie de Gaïa. C'est Hadès qui te l'a dit ? Bien sûr, j'ai dû insister. Mais oui. Donc, est-ce que tu es prête à obtenir ce que tu cherches depuis maintenant 6 mois ? Ou est-ce que tu vas juste rester planté là la bouche ouverte ? T'as dit que tu n'avais pas chômé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu as quand même pris le temps d'apprendre aux rebelles Ténac à pirater des machines pour les monter. Aloy, la seule chose dont tu devrais t'occuper, c'est d'obtenir une copie de Gaïa. Peut-être que si tu te concentrais plus, tu obtiendrais des résultats. Je note que tu ne nies pas, Silence. Prends ça comme tu veux. Juste pour être sûr... Hadès t'a dit qu'il y a des copies de Gaïa là-dedans. Oui. Qu'il y en avait, en tout cas. Il y a un millénaire. Des copies qui n'ont pas été effacées quand Ted Faro a supprimé toutes les copies d'Apollon. C'est ça. D'après Hadès, ce site n'était pas accessible par un signal distant. Même Ted Faro ne pouvait accéder à ces données. Des copies. Des copies complètes de Gaïa et de ses fonctions subordonnées. Tout ce qu'il faut pour relancer le système.
Rétablir le contrôle de la terraformation, sauver la vie sur Terre. Là-dedans? C'est ce qu'a dit Hadès. Alors qu'est-ce que tu attends? Est-ce qu'Hadès a révélé la source du signal mystérieux? Celui qui l'a réveillé et tenté d'anéantir la Terre. Oui, en effet. Je peux savoir? Tu le sauras. Mais pas tout de suite, Aloy. Aux dernières nouvelles, tu avais une IA super intelligente appelée Gaïa à réinitialiser. Oui. La Gaïa qui a dû s'autodétruire il y a 20 ans à cause de ce signal. La transmission s'est arrêtée il y a des années. Ce n'est plus une menace. Et s'il recommence? Impossible. Et quand bien même il... Les détails sont compliqués, mais le signal nécessitait Hadès pour agir. Si tu supprimes Hadès de la copie réinitialisée, Gaïa ne craindra rien. Alors arrête de perdre du temps. Et va trouver une copie. D'accord. Je vais fouiller le site pour trouver une copie. Mais soyons clairs, Silence. Si c'est encore une de tes manigances... C'est un verrouillage génétique, Aloy. Tu es littéralement la seule sur cette planète à pouvoir l'ouvrir. Comment aurais-je pu y mettre un piège? Si tu me trompes encore, Silence, notre prochaine conversation sera en face à face. Mais tu n'auras pas grand-chose à dire, puisque ma lance sera plantée dans ta gorge. Aloy, grâce à moi, tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches depuis 6 mois sans réussir à mettre la main dessus est désormais à ta portée. Bon, je sais que tu ne connais pas grand-chose à la politesse en tant que paria d'Enora, mais dans ce genre de situation, il te faut dire « merci » et je te répondrai « je t'en prie ». Ne bougez pas. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Docteur Sobek. Entrez, je vous prie. Entrez, je vous prie. Entrez, je vous prie. Blague là. On dirait qu'on a de la chance. De la chance? La porte est complètement foutue. En effet. Mais malgré le problème, tu pourras quand même entrer. Si tu patientes encore un peu. Tu vois ces cristaux, là? Les Oceram les appellent les flammes gemmes. Ils sont inflammables. Ça ne suffira jamais à faire sauter une porte de ce type. Mais ça suffira peut-être à l'ouvrir un peu plus. Exactement. Ça ne marche qu'avec un igniteur. Je t'envoie les schémas tout de suite. Pour le fabriquer, tu auras besoin de pièces de machine et d'huile d'algues à feu. Elles ne poussent que sous l'eau, mais tu devrais en trouver dans le lac à côté. Les pièces sont bien plus complexes. Il te faudra une bobine d'étincelle issue de la batterie d'un bondisseur. Il faut retirer la batterie avant de tuer la machine, sinon elle sera détruite. D'accord. Bon, j'ai déjà de l'algue à feu, des fonds. Il faut juste les pièces. Ces machines doivent avoir les pièces qu'il me faut pour l'igniteur. Je devrais scanner l'une d'entre elles. Le plus m'indiquera où se trouve la pièce. Bon, où est placée sa batterie? Ses pattes sont conçues pour le saut. Et pour frapper avec, sûrement. Voilà la batterie. Je peux la marquer avec mon focus. Voilà ce qu'il faut. Voilà.
cherche les pièces pour l'imiteur. Il me reste à fabriquer ce truc. Il y a un établi près de l'entrée du bâtiment. Tu t'en es servi pour bricoler Hadès ? Bricoler ? J'ai extrait des données inestimables. Voilà. Je devrais pouvoir m'en servir pour faire sauter cette flamme gemme. En effet. C'est très pratique. C'est comme ça que j'ai extrait l'orbe de traitement de l'Horus. Génial. Je reculerai à ta place. Entrez, je vous prie. Je crois que ça ira. Alors vas-y, je t'en prie. Maintenant que j'ai l'igniteur, je peux faire sauter la flamme gemme que j'ai vue. Concentre-toi sur ta mission, Aloy. Le bâtiment est inondé. Et il y a une autre porte à verrouillage génétique de l'autre côté. J'imagine que c'est là que sont stockées les copies de Gaïa. Je dois trouver un moyen d'aller là-bas. Ça me rappelle quelque chose. M'aventurer dans d'anciennes ruines pendant que tu m'espionnes via mon focus. Oublie la nostalgie et concentre-toi sur la recherche d'une copie. Je devrais peut-être faire tomber cette échelle. La porte est verrouillée. Mais il y a un appareil à côté. On dirait qu'il est relié à la porte, mais il a besoin d'énergie. Une batterie. Ça a marché. Hup.
pourrais le récupérer dans ma réserve. À quoi servait cette salle? On dirait qu'une autre console aurait besoin de courant. Cette console ne marche pas. Attention. Elizabeth et Travis Tate. Ouh, je te le dis, Liz, tu vas m'adorer après ce que je viens de faire. Je viens d'imaginer ces ordures de zénith lointain en train d'ouvrir la fosse Gaïa qu'on leur a concoctée. Et je me suis dit, ce qui manque, c'est une signature. Ce n'est pas une blague, Travis. J'ai fait qu'animer deux petits avatars. Un de toi et un de moi. Pour délivrer notre message funeste de façon plus personnelle. Tu veux bien l'envoyer? Dès que la compilation sera terminée. Ensuite, on pourra fêter ça ensemble. J'ai apporté des trucs de fête, des mini-croissants, du mousseux, des banderoles. Je retourne à Bryce dès que tout ça est terminé. Je comprends pas, Liz. Comment quelqu'un comme toi, un modèle, presque une sainte, hein, peut autant aimer le monde, mais pas ses habitants. Franchement, t'as déjà eu un ami dans toute ta vie? Compilation terminée. Fichier promesse stérile prêt à être transmis. Tu t'en occupes, d'accord? La bombe logique est prête. Voilà pour vous, zénith lointain. Contente-toi d'être le meilleur dans ton boulot, Travis. Je t'ai toujours admiré de loin, Liz. Je le jure sur la tombe de ma mère. Et elle était très pieuse. Travis avait tort. Elizabeth essayait de s'assurer de l'avenir de la vie. Elle se souciait de tous. Je n'en suis pas si sûr. Les gens exceptionnels mènent une vie solitaire, Aloy. Tu le sais aussi bien que moi.
Voilà un autre panneau que je devrais pouvoir ouvrir. Je vais devoir grimper plus haut pour l'atteindre. Je pense pas que mon attracteur puisse s'accrocher d'ici, c'est trop loin. Je vais devoir... C'est trop loin pour sauter. Mais si je plane... Ça m'aura bien servi. Il y a d'autres choses par là-bas. Je ferais mieux de jeter un œil. Je devrais pouvoir planer jusque là-bas. Y a quoi là-dedans? Des données. Oh, de Travis Tate. Cet endroit a produit nombre de logiciels malveillants. Hein. On dirait que c'est connecté à la porte. Il faut une sorte de code pour l'ouvrir. Une autre porte verrouillée. C'est quoi cette console à côté ? C'est parti ? Je me rapproche.
Bon, le labyrinthe inondé. Identiscan, ne bougez pas.